Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on va déballer les Wafer volume 2 de cette catégorie, je sais plus. C'est un cadeau du poteau Lord Gogeta. Normalement je collectionne pas ce genre de trucs, c'est des petits stickers avec les grosses têtes là. Et comme j'avais une Gumi Box en trop de Super Dragon Ball Heroes et que lui il kiffe bien Dragon Ball Heroes, on a discuté un peu, il m'a dit vas-y on fait un échange. Et du coup, c'est la première fois que je vais ouvrir ce genre d'item. Donc du coup, bon, ça change pas vraiment de Super Dragon Ball Heroes, parce que bon, c'est le même principe, les boîtes, vous avez une carte dedans, bon là c'est un sticker avec une petite gaufrette à l'intérieur, et puis voilà, et après les têtes sont démesurées, c'est petites corps, grosses têtes. Mais apparemment il y en a des très belles à l'intérieur, donc on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Bon, avant toute chose, par contre il m'a envoyé justement ses doubles de la version précédente, enfin de la collection précédente. Nana, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est ridicule, je peux pas utiliser mon bras si tu es dessus. Alors du coup on va regarder un peu ça. Hop, il y a tout. Tu vas regarder avec moi. Alors... on a un petit Goku, alors je vais pas les sortir des blisters parce que je n'ai pas envie. Un petit Goku, un Raditz, elles sont sympas. Hein. Un Gohan vénère qui explose Raditz, je pense que c'est cette scène. Un Goku mort qui court, qu'on peut plus sur... Merde, je sais plus le nom du dragon là, du chemin du dragon, mais enfin bref. Vous aurez compris. Là on a un Super Saiyajin 4 avec plein de petits effets foil. Ah là on a... elle est très belle celle-là. Un Shenron de Dragon Ball GT. D'ailleurs la Last One vient de sortir, je la veux. Avec Goku rapetissé. Pas mal du tout. Pas mal du GT là. La petite Panchan. Arrête! Non! La petite Panchan. C'est Gigi derrière, non? Non, c'est pas Gigi. Non, ça c'est leur vaisseau. Il paraissait un peu gros. Chile, qui se boit un petit cocktail au frais. Broly en Super Saiyajin. Gogeta. Il veut m'envoyer du Gogeta, ça j'en étais sûr. Parce que comme je suis Team Végéto, il veut me mettre du Gogeta dans ma maison. Et voilà, on a fait le tour. Bah, en tout cas, merci pour les doubles, poteau, c'est cool. Franchement, sympa, je te remercie. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a 20 cartes, enfin 20 stickers à collectionner, dont une secrète. Donc, on va voir ça ensemble. On va déballer. J'aime bien, par contre, ce genre de petites choses. Alors, ça se trouve dans tous les combini de France. On n'en a pas. Arrête! Et t'es lourde là! Là je vais m'énerver! Tu me fais mal en plus! Quel animal idiot! Tu es le plus bête des animaux! Il n'y a pas besoin de ciseaux. Je sais pas pourquoi je prends les ciseaux. Il y a une ouverture délicate ici. Hop! Hop, hop! Alors, on a quoi? Est-ce que c'est les mêmes? Apparemment non. Donc on a un booster. Dis donc, elles sont lourdes les gaufrettes! Deux boosters, est-ce qu'ils sont pas un peu différents tous? Ah bah voilà, il y a du Végéto. Je crois que j'ai fait le tour des boosters, voilà. Donc, c'est parti, on ouvre ça. Elles sont vachement lourdes, elles sont super lourdes. Calme-toi, t'auras un bout de gaufrette si tu veux. Hop, c'est parti. Hop. La gaufrette goût chocolat, je suppose, qu'on met de côté. Et on a Yajirobe. C'est cool, j'ai pas de double encore. J'ai pas de double, Nana. Alors, Yajirobe, bien cool, qui est en train de couper, je suppose. Bah oui, en fait, on voit l'Ozaru derrière, je suis con. Super sympa, vraiment très belle. Hop, on met ça de côté, ça fout toujours un bordel pas possible. Ah.
espérer avoir le set complet. C'est possible. Yes, père-fils. Père-fils ensemble. Oui, c'est ça, c'est sur le générique de fin, enfin sur le, l'opening, quand il atterrit, ils se disent bonjour. Ils se disent bonjour. Je sais plus, mais ouais, il me semble que c'est ça. Avec toute l'équipe autour. Vraiment sympa. Hop. Le pirate qui dit que de la merde. On s'en fout. On est juste là pour kiffer. Arrête, je te jure. Et voilà, elle fait tomber la caméra. Oh mon dieu, mais... Et t'es une plaie. T'es une plaie, là, aujourd'hui. Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Oui. T'es pas sympa. Alors... Bon, les gaufrettes, c'est de la merde, mais tu vas quand même en avoir un bout si tu veux te calmer. On a un SSJ4 de Vegeta, qui est bien cool, qui est en mode fusion, donc je suppose qu'il y a le Goku qui est de l'autre côté. Donc, ouais, vraiment cool. Hop, essayer d'aller un peu vite. Oh! 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 Mais il me semble que c'est la rare! La Végéto! Elle est trop belle! Et je pense qu'elle est luminescente. Luminescente dans le noir, fluorescente. Ouais, elle est trop belle. Elle est vraiment très belle. Du coup, il me semble que c'est la rare, ça. Il me semble que c'est la rare. Je suis pas un expert, mais en tout cas, elle est très belle. Oh. Bon, je lui donne un bout de gaufrette. Tiens, tu me saoules. Allez, pourris-moi mon t-shirt. T'es vraiment comme une gamine gâtée, là. Tu me saoules. Tu me saoules aujourd'hui. Oh, mais j'ai l'impression d'avoir que des rares, là. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Elle est trop belle. Elle est pleine de paillettes. Donc on a Gogeta 4. Trop belle. Mais je pense qu'elle est encore plus rare que celle-ci, dans le sens que son niveau de puissance est plus haut, machin. Donc, mais on va dire que Végéto est le plus fort. Très belle. Allez, on enchaîne. Elles sont sympas, hein. Franchement, hein. Ça change des cartes. Là, on a un Gohan Vénère en SSJ2. Non, SSJ. Face à Broly, il a la tenue. Parce que je pense pas que c'est quand il est gosse, ça. Non. Ça, c'est quand il est ado. Très sympa avec le petit effet rouge là autour. Vraiment cool. Nappa d'hélice, à bord du Nappa d'hélice. Toi-même, tu sais la ref. Franchement, la Nappa, bien cool. Bon, quand il fait son attaque la plus puissante, là, moi j'aime bien Nappa. J'aime bien Nappa. C'est un gros con, mais j'aime bien. D'ailleurs, c'est la dernière Tsume que je veux avoir. En tout cas, dans ce qui est sorti, actuellement. Elle est très belle avec Goku Nappa. Merde, comment il s'appelle lui? Shenron. C'est celui de feu, son frère c'est celui de glace. Bon, je sais plus. Il est cool lui. J'aimerais bien avoir les deux frangins en figurine. Et deux frangins qui s'entretuent. Oh la vache. Par contre, c'est chiant les gaufrettes. Pourquoi ils les ont pas emballées? Alors là, je suis. C'est la même Végéto que celle que j'ai qui s'allume, qui est fluorescente, donc je suppose que celle-ci c'est la rare, quoi. Je sais plus. J'ai regardé la vidéo du poteau, mais j'ai complètement zappé ce que c'est en fait. Mais très belle. Bah du coup j'ai les deux, c'est cool. Et pas de double pour l'instant, hein. On part sur le full set là.
On part sur le full set. Mai, il n'y a que Mai qui maille. Trop choupi. Pareil, si on va avoir une figurine en février-mars là. À l'ancienne. Là c'est la moderne avec Trunks. Trunks! Hop. Allez, on enchaîne. Et pas de double. Ça sent le full set, les potos. Franchement, si tu m'as donné un full set, je vais être heureux. T'arrêtes! Là, t'as une gaufrette. Pourquoi tu m'embêtes? On a Lee Shenron. Très sympa. Alors, c'est pas le Omega parce qu'il a pas les boules de cristal sur le bide, sur les abdos. Elle est bien cool. Elle est bien cool. Allez, c'est parti. On va pas chanter cette merde. Qu'est-ce qui t'arrive, le pirate? Tu deviens émotif. Oh, elle est sympa celle-là avec la caméos. Bah pareil, ça fait partie. Ouais, We Got a Power, c'est l'opening quoi. Comme l'autre. Mais elle est très fidèle à la base. C'est une de mes préférées, tiens, celle-là, jusqu'à présent. Elle est très sympa. Je dois avoir des miettes de gaufrettes partout. Merci Nana. Mais au moins tu m'emmerdes pas. On a le même Gohan façon fluorescent, encore une fois. Et pailleté. Très sympa. Très sympa. J'adore. Allez. Oh. Putain, poteau, tu m'as gâté. En plus, tu m'as donné un bon set, là. Hein. J'ai l'impression que voilà, hein. Oh, alors lui, j'ai complètement zappé son nom. Mais qui se rappelle de son nom? Alors, là, dans les commentaires, je vois. Moi, je me rappelle. T'as Google, mon gars. T'as Google. T'as juste googlisé ce que je viens de dire. Ouais. Bien cool. Bon, après, c'est pas le dragon préféré. C'est pour ça que j'ai omis son nom. Je crois que lui, il fume un cigare, il me semble. Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui fume un cigare dans BBGT. Ah, un double. Un double. Oh la vache, je dois avoir des miettes partout, les poteaux. Ah putain, Nana, c'est un calvaire. T'es un calvaire aujourd'hui, là. Un Goku SSJ God SSJ. Cool. Avec un point de la mort qui tue. Alors, ça doit être pour Zamas. Ça. Parce que je crois pas que dans le film, si je me souviens bien, il se transforme pas en God Kaioken dans le film Broly. Oh, c'est pas la même. L'autre est pailletée, donc l'autre elle doit être plus rare. Avec les deux SSJ4 qui fusionnent dans le dos là, vraiment cool. Je sais plus quoi faire des gaufrettes. Très sympa, très sympa. Vegeta, oh, mon Vegeta préféré là, quand il se vénère contre Goku, qui veut le tuer, qu'on n'a plus rien à foutre de rien, qui saigne. Franchement, c'est bien cool. En plus, ils lui ont fait sa petite trace de sang sur la lèvre, donc ça, c'est cool. Voilà, encore deux boosters, et je sens qu'on a eu les plus rares. Je sais pas du tout, je m'en rappelle plus. Ah bah là, c'est le frangin. Justement de glace là. J'aime bien l'effet coup de poing là avec les boules de ki au bout des doigts là. C'est vraiment cool. Donc voilà. Et la dernière.
La dernière, bah oui, c'était contre Zamas, parce que là, je vois Zamas et Goku Black Rosé, là, Goku Rosé. Donc, ça veut dire que je n'ai pas tout le set. Ah, maintenant, il y en a 30 à collectionner, donc bien évidemment que j'ai pas tout le set. Alors ça, je pense que ça fait partie d'une banderole. T'en as deux de chaque côté. Mais en tout cas, bien sympa. Bon, bah du coup, pour les cartes que je n'ai pas, enfin les... Alors, je vais mettre tout ça dans la boîte, là, les gaufrettes. Et on va voir ça plus tard. Hop. Et c'est parti pour le show. Voilà. Donc, pour résumer... Je pense que j'ai qu'une double, donc on est bien quoi. Yajirobe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mais j'en ai 19 du coup et il y en a 30 à collectionner. Donc je m'excuse parce que j'avais dit 20. Il y en a 30 à collectionner, donc il m'en manque 11. Mais il me semble que j'ai les plus belles. Voilà. Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing vous a plu. Merci Poto en tout cas pour ce cadeau échange. Parce que bah, alors j'ai 19 cartes, mais donc il m'en manque 11. Après, il me semble que j'ai eu les plus rares, faudra checker. Si vous le savez déjà, mettez-le dans la barre des commentaires. Et puis, si quelqu'un a des échanges à faire, contactez-moi hein, sur les réseaux sociaux, comme d'hab. Et puis voilà, merci Poto en tout cas. Bon, t'as eu le full set grâce à moi. Moi, je n'ai pas eu le full set, mais en même temps, il n'y a que 20 boosters et il y a 30 stickers à collectionner. Donc, ce n'est pas de ta faute, je ne t'en veux pas. Allez checker sa chaîne Lord Gogeta, je mettrai le lien dans la barre des descriptions, mais bon, vous le connaissez, hein, on connaît tous la même communauté, donc voilà. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et Utip pour nous soutenir, moi et Malaika. Je vous demande également d'exploser le pouce bleu en mode super Genki-Dama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petite nana qui a mangé une gaufrette et qui va mourir. Parce qu'elle est chimique, je t'ai empoisonné. Adieu nana, tu es morte. Tu es morte? Mais non, ma nanou, elle est immortelle. Voilà.